Sens critique, sens critique, sens critique, sens critique, sens critique. Paternité fortuite à gérer dans les 48 heures qui virent au drame. Julien Guetta m'a envoyé ce scénario et je me marrais en le lisant et soudain j'ai pris une tarte quoi. La comédie bascule et je m'y attendais tellement pas. Quand les ruptures sont réussies à ce point, c'est débile de pas y aller quoi. Je l'ai tenté quoi, simple bug. Il y a une actrice qui a été césarisée, qui joue ma meuf. Et donc on joue des scènes et puis moi j'improvise et tout ça. À un moment dans cette séquence, elle arrête la prise, elle vénère sur moi. Putain, vas-y, joue le texte, là. Il joue pas le texte et tout. Ça a mis un poids sur le plateau. Putain, l'impro, ça marche pas avec tout le monde. Ramzy, t'es où? Jamel, les gars! J'ai adoré le nouveau de Rudy Rosenberg. Qui ça? Putain, le qui ça qui est sorti du ventre? Jamais entendu. Mais jamais. Quoi? Non, parce que moi, c'est plus cuisine, moi. T'aimes bien, toi, le meilleur pâtissier, des trucs comme ça. Ça, ça te parle. Ensuite, il y a Danny Boyle, n'importe quoi, même un court-métrage, même un déj. Et puis Brad Bird. Pff, après, tout le monde y va. Hein. Brad Bird, I don't think so. Et puis, il y a plein de Français aussi. Hein. Michel Zavissus, qui défonce, Quentin Dupieux. C'est des cums, on est hal, quoi. Je termine l'écriture dès que je termine cette interview. On aura terminé de tourner vers janvier, février. Montage, étalonnage, mixage, projet presse. On a décidé de sortir le truc à une période idéale, septembre 2019. Boum bam. Jamais. Aujourd'hui, on aurait l'air de vieux cons, quoi. On l'a arrêté il y a 20 piges, le truc. Retourne au meilleur pâtissier de France et arrête avec tes questions pourries. Ouais, c'était la dernière. Rock'n'roll. Je suis sûr que tu serais très drôle. Sûrement. Ça veut dire qu'il me piquerait mon rôle. Dans Platane, j'ai fait un épisode où je fais Bernardo. C'est vraiment un moment incroyable. Une beauté, une pureté, une amour. Du coup, non, ce sera moi, Bernardo. Désolé, Christophe Podalides. Non, désolé, ciao.